Aux confins du cosmos, aux confins de l'univers, se trouve un mur. Une barrière infinie, érigée par des êtres dont la puissance est telle que l'on ne peut se l'imaginer. Ce mur porte un nom. C'est le Source Wall. Et croyez-moi, beaucoup ont tenté de le franchir. Peu ont réussi. Aucun n'en est revenu. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous guider jusqu'aux confins de l'univers. Aujourd'hui, découvrons ce qui se cache par-delà, le Source Wall. Behold the Source Wall. Behind it is the single greatest secret of the universe. This is as far as I dare to go. Le Source Wall, personne n'en est jamais revenu. Bon, faut dire aussi que personne n'y est jamais rentré. Ceux qui ont la rêve dans les commentaires, vraiment, vous êtes des très belles personnes, je vous aime beaucoup. Mais trêve de référence, pour commencer, on va quand même présenter le Source Wall, ensuite on verra son lien avec l'omnivers de DC Comics, et on finira par voir ce qu'il est devenu aujourd'hui, et quel perso évidemment a réussi à le franchir, qu'est-ce qu'il y a derrière, on va répondre à toutes ces questions, ne vous en faites pas. Donc le Source Wall a été inventé par Jack Kirby en personne dans le comics New Gods numéro 5 de novembre 1971. Le Source Wall est donc le mur qui délimite le multivers DC Comics. Il est en réalité une manifestation directe de la Source, qui est l'entité cosmique à la base de tout DC Comics avec The Great Evil Darkness. Pour ceux qui se posent la question, la Source c'est effectivement un aspect de la présence, c'est en gros son aspect créateur, la présence c'est son aspect physique, sa représentation, son incarnation physique, son allégorie si vous voulez, et la Source c'est son pouvoir créateur qui émane comme ça et qui est à la fois partout dans l'univers, c'est très poétique. Et donc le Source Wall est composé des géants de Prométhée, une ancienne race suprême de géants qui par avidité ont tenté de percer les mystères du cosmos en franchissant le Source Wall. Spoiler, ça n'a pas marché. Résultat, maintenant ils sont bloqués, enchaînés dans le Source Wall et ils en sont les gardiens. Oui, des géants à l'intérieur d'un mur, ça vous rappellera peut-être quelque chose, effectivement. We're gonna build the wall, we have no choice. Mais il n'y a pas que eux dans le mur, effectivement, parce que comme je vous ai dit, il y a tous les gens qui ont tenté de le traverser. Donc on a par exemple le père de Darkseid, voilà. On a le Docteur Fatalis de chez Marvel, parce que évidemment, suite à l'événement Justice League contre Avengers, et bah du coup, il a dû franchir le Source Wall. Et du coup, maintenant, dans le canon de DC Comics, et bah, il y a le Docteur Fatalis qui est bloqué dans le Source Wall. Je trouve l'idée absolument géniale. Mais ne vous inquiétez pas, je sais ce que vous voulez savoir. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce putain de mur? Eh bien la réponse se trouve dans le Justice League Annual de 2018. Derrière le Source Wall, il y a des putains de titans. Bon d'accord, c'est des titans Oméga, c'est pas des titans comme dans SNK, mais quand même, moi je trouve que le parallèle est faisable. Bon, en vérité, ces titans représentent les forces primordiales de l'essence de la vie. On a l'entropie, le mystère, la sagesse et l'émerveillement. Ils sont les gardiens de l'espace entre le multivers, s'assurant que personne ne rentre et que personne ne sorte. Ils ont aussi pour rôle par exemple de garder Perpetua dans sa prison. Bon spoiler, ça n'a pas marché aussi. Mais sachez quand même qu'à partir de cet événement du coup du Justice League Annual de numéro 1 de Scott Snyder, ça va complètement donner un nouvel élan à DC Comics parce que le Source Wall va être détruit. Explosion ! Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Et oui, après Rebirth, on a l'événement Death Metal qui va créer le concept de l'omnivers. Bon, vous voyez le multivers, plusieurs terres parallèles qui se superposent, c'est facile. Et bien maintenant, imaginez l'omnivers, c'est un multivers de multivers. On a donc le multivers classique de DC Comics avec Terre 1, Terre 2, enfin tous les persos qu'on connaît. Mais on a aussi par exemple le multivers noir, un multivers sombre où tous les personnages sont corrompus. On a une Terre 1, une Terre 2, une Terre 3 et ainsi de suite, mais tous les personnages sont complètement corrompus. C'est de là par exemple que vient le Batman qui rit. Mais ce concept d'omnivers est vraiment très intéressant parce que ça permet d'intégrer et de lier tout l'univers DC Comics ensemble. On a par exemple le label Vertigo qui est du coup un multivers à part. On a aussi par exemple les films du DC Extended Universe qui sont du coup un multivers à part, donc le multivers des films qui est relié aux comics du coup par cet omnivers. On a aussi le DC Animated Universe qui est du coup un autre multivers relié avec l'omnivers. Et franchement ce concept est absolument génial. Et dorénavant, le Source Wall est le mur qui délimite les frontières de l'omnivers, qui sépare la fiction du réel, sachant qu'avec des auteurs comme Grant Morrison ou Gerard Way, les deux peuvent facilement s'entrecroiser, effectivement.
Alors, les plus fans d'entre vous dans les commentaires seront en train d'écrire « Oui, mais il y a des gens qui l'ont traversé !» Oui, je sais qu'il y a des gens qui l'ont traversé, d'accord. Par exemple, il y a Hal Jordan, donc Green Lantern, quand il était le Spectre, qui a réussi à le traverser. On a aussi le Strange Visitor Superman, qui l'a pas traversé, mais qui a réussi à le franchir en s'extirpant littéralement de sa réalité. J'ai fait une vidéo dessus si ça vous intéresse, évidemment. Mais on a aussi, par exemple, Lex Luthor, oui, effectivement, dans la série Justice League Unlimited. Alors oui, effectivement, cette série est pour enfants et a pour but de présenter l'univers DC Comics aux enfants, certes, mais avec l'omnivers, du coup, cette série est un multivers à part, donc finalement, c'est canon, donc tout est canon. Voilà, trop de métadonnées comme ça, c'est absolument génial. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le Source Wall vous aura plu. Je voulais vraiment faire une vidéo sur le Source Wall parce qu'il n'y en a quasiment pas sur YouTube, et pourtant, je trouve le concept absolument génial de délimiter comme ça, du coup, l'omnivers, et en fait, c'est plutôt une limite entre maintenant la fiction et la réalité, évidemment. Bon, la fiction est délimitée par le Léviathan des histoires de The Unwritten du Vertigo, parce que du coup, le Vertigo est canon maintenant avec l'omnivers. On en parlera peut-être, voilà, ce sera absolument génial. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur le Léviathan d'histoire ou d'autres vidéos en commentaire. Sur ce, mettez un pouce bleu à cette vidéo, évidemment, parce que vous l'avez aimé. Je sais au fond que vous l'avez aimé. Et à vous abonner, c'est ce qu'il y a de plus, la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de regarder de côté, on va traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?